Oh no. Hey, it's another day in the slammer. I think it's Sunday today. I don't know. Do we get a special treat on Sunday? I'm not sure. Anyway, it's something to look forward to. Oh boy. Oh yeah, that's another thing. That's downright embarrassing, living in a Kotex box. I hope my friends don't find out. I'm not a Kotex pad. Or do I want to be one? But at least I got some cardboard over my head. Oh boy. I think she's just trying to butter me up. Don't push too hard. Don't push. Don't push. Don't push. I mean, my hands are sensitive. Oh my god, I hope she doesn't have a cold. Don't kiss me. Oh, hey, this must be my treat. This stuff doesn't taste too bad. I guess this is my treat. I'm getting a little suspicious, though. Here she's trying to butter me up again. Hey, lady, don't squeeze, all right? Don't squeeze. Oh, more caressing. Thank you. Hey, what the heck is that? What the heck is that? What's that big nose in my face? Is that supposed to look like me? I don't know. I'm kind of insulted. I don't know. What is that? Eh, boy, this really makes me pissed off. I can hardly hold it. Ah! Uh-oh. Here we go. Whew. Oh, relief. Thank you. Whew. Hey, I think she's not around. Oh, one more push. Come on, come on. You can do it. Come on. Oh, my ass is so damn big, I can't stand it. Push, push. Get that hind leg going. Come on, come on. One more. We don't have much time. Let's go. Hurry up. Get that hind leg going. Ah, oh, one more push. Boom. Oh, boy. That hurt. All right. Okay. I'm going to get out of here. Oh, it's the warden. Oh, no. I know I'm going to do more time just because of this. Oh. Oh, here's the exercise wheel. She's going to make me do 20 more turns just because I try to make a big break. Oh, it's not fair. Oh, feeding time. Perfect. Hey, I'm ready for this, I'll tell ya. Ooh, eat 'em up, eat 'em up. Oh, what's that? Oh my god, that's my worst nightmare. Oh no, I hope she's not gonna be my new cellmate. Oh no, look at those eyes, I'm out of here. Okay, oh, this has all been a bad dream. She's playing patty cake with me. Oh, this feels so good. You know, I really think she likes me. I don't know. I might just want to stick around. I got a new house and everything. Look at that. Producer. So making little films. Yeah. So last time I remember you did a movie and I saw it online. It was really funny. So you're still producing movies. Is that what you do? Short films. Short films. Yes. So tell us. It's easier and expensive. Okay. What's your latest creation? The latest creation is Petey's Misadventures. Okay. A hamster with a very bad attitude. Okay, is that your hamster? Yes, and that's my hand. You're kidding me, it's your real pet. A real pet, yes. Yeah, so you know everything about him, huh? Exactly. That's so funny. So how did the idea came to you to do a little film for him? Well, when I was, all my life I lived in apartments, not homes. Okay. So we were only forced to have little things, mm-hmm. like turtles or a bird or something like that. So when my whole family moved to Europe, my mother took me to Switzerland. Oh. And it was there that I saw hamsters for the first time. Really? I was 12 years old, and I was just fascinated because it was so cute and yet so tiny. And easy to take care of. Yes, and ever since, I fell in love by having hamsters. Nice. And you don't have to later, walk. You don't have to walk them outside exactly. Like dogs. No, and so many years later, I still have hamsters. Really? Yes, I've never stopped having hamsters. Oh, that's awesome. So this is not your first hamster? No.
And unfortunately, they don't live too long. Oh, how long they live? Between 2 and 4 years. That's all. So the minute they pass away, I immediately get another one. Really? Because they're cute. Oh, they're wonderful. They're darling. Is that the their lifespan, whether they live in nature or whether they live inside? Well, they're the easiest ones to be domesticated. Yeah. They were, I think, discovered in Syria. Yeah. And they hamster is the word to hoard. Oh. A German word, and they like to put their food in their cheeks. And they keep it there. And then they keep them in their little bedroom. They're afraid not to have food. Oh, they're afraid to run out? Yes. Like little. They think their food will get stolen or something. Really? And they're secure in dark places. Ah. Although they're night birds, they don't like, all day long they sleep, and then at night they're all awake. Mm, awesome. So they do their little cage, a wheel or something like that. They run around. In their cage. So that his name is Petey? Petey. Petey. Petey, that's so cute. So how big they are, like that? They're just about this big. That small? Yes. Oh. So they like big mouse? No, because a mouse has a tail. They this don't. This one has no tail. Uh-huh. And it's, think of it as a miniature bunny without the ears. Okay. So they're very tame. They're very cute and cuddly. They're just darling. Oh, what do you like about him or her? Is it a girl? Yeah, I have both. I alternate male, female, male, female. And this one is a this male? This one is a male. And they're just very charming, the way they eat. Oh, really? And depending how much you train them. Yeah. They, you know, like this they're, one especially. They recognize you? Oh, yes. Like one time with this, we shared a banana chip together. Uh-huh. So he had to have both his hands eating this little chip and I with the little picky finger. So I have a picture with him eating a banana chip. Oh, my goodness. That's so cute. Okay. And then this one is still at your house then? I'm sorry? He's still at your house? Oh, no. This one has passed away. The subject of your movie passed away, yes, and you replaced him. I make films to remember them. Oh. And Petey has starred in another film. He starred in this one. Ah, the roommates. The See, one that was a comedy. He's right there. And he says, is it over yet? With his little black eyes. He's a little younger there. Okay. And then when you made the movie, you took a different hamster. No, the same one. And this is another movie with the same... The same one, yes. The same character. Okay. But a different film and a different altogether. Okay, so why does Petey has a bad attitude? He doesn't listen to you? He doesn't listen, yes. The story is that he's in prison. Oh. So he's... And I'm the warden. Oh. And if he misbehaves... I make him do the wheel, like so many times. Uh-huh. That's so cute. It's a little story. I don't want to say the ending. That's why I can't say too much about the film. But Yes. And the film is played at the end of a long, of a regular film or before the film? No, this is just a plain short. Yeah. Anybody who wants to purchase them, they can send me a check and I'll... Send one out right away. Okay, but in the movies, they played it before a real movie, like no, 2 hours? A short in itself. It's just a short. Short in itself. This is 3.5 minutes. Mm-hmm. The previous one was 9 minutes. Okay. The previous film. They're both comedies. Oh, yes. Always comedy. Really? It's excellent to have sense of humor. Makes your life better. Yes, of course. And so this one is really funny then? Yes. Okay, sometimes he... It's everything, the writing, everything goes together. Oh, okay, so he is voiced over? Yes. And who voiced him over? Not my voice, another person. Another person, yes. That you hired? Okay. So you wrote the script and you I did put everything. It and you put it together, yes. And it's 3 minutes. Wow. 3.5. 3.5 minutes. And I did the music too. And the kids like it? Well, I haven't seen any audiences yet because right now it's doing film festivals. Okay, but usually it's for a kid's audience, for a little pet. Not necessarily. No, this is for adults too. Really? Oh, yeah. But kids like movies with little animals, no? Well, hamster is a pet for young kids, children. Okay. You know, but everybody likes to look at a hamster if they like hamsters. Okay. Other people have dogs, other people have cats, and some people have hamsters. Got it. So this little hamster was filmed then when he was alive. How long ago? Oh, maybe 3 years ago. 3 years ago.
And you kept the footage. Yes, exactly. And then this year you edited it. I decided to, yeah. That's a good idea, because this way you'll have an eternal memory of him, right? Exactly, exactly. Yeah, and the new one, is he as funny? Sorry? The new hamster to replace him, is he's more charming, more cuter. Really? His name is Nouli. Nouli. Which means little tyrant in Greek, tyrannoulis. Ah, so he's only... Because day one he escaped. And I did not sleep for 3 days trying to find him. Where did they escape? In my apartment. But the problem is... They hide. If they hide, and if I don't find them right away, they can die from dehydration or something. And so you have to keep looking? Yes, and I did. And for 3 nights and 3 days... Where did he hide? Well, I could hear him, but you know, if it's in one room or in the other room. So finally, in the third room, I was watching television and he went to my bedroom. So right away, I stood up and shut my door. So at least so you know which him. Room he is he was in my bedroom, yes. So finally that night I put more food and more water. And that morning, the next morning, I could hear scribbling. Oh, that's and so finally cute. Finally I just grabbed him. He squealed and into the cage and shut the door. And thank God I saw him. He was drinking water for at least 10 minutes, the little water bottle. Wow. Because he was missing water. Wow. Do you still remember French? Of course. Tu te rappelles? On peut faire cinq minutes, quelques minutes en français? Oui, bien sûr. Ok, donc j'ai oublié de commencer en français. Donc nous avons avec nous Christabel Savaras, qui produit des petits films, surtout des comédies, n'est-ce pas? Oui, les misaventures de Pity. Les misaventures de Pity, ok. Donc, hamster avec très mauvais... Attitude. Ah, d'accord. Donc, ce petit animal, tu as vécu avec lui pendant combien d'années ? 3 années. 3 ans. Oui. Et pendant ces 3 ans, de temps en temps, tu l'as filmé ? Oui, oui, exactement. J'ai décidé de le filmer. Il était charmant, il était très... Très facile mignon. Facile de jouer. Mm-hmm. Qu'est-ce que les petits animaux comme ça mangent? Ils mangent des carottes? Et ils sont comme végétariens. Ah. Tu peux dire qu'on mange des légumes. Oui. Et aussi, on mange des noix, différents noix. Il aime? Oui, beaucoup. Pas de viande. Mm-hmm. Peut-être un peu de fromage. Ah, OK. On aime les fromages et on aime les spaghettis. Il aime les spaghettis? Oui. Ah, mais d'accord. Jamais du chocolat. Mm. Jamais. Okay. Mais ils ne mangent pas beaucoup parce qu'ils sont petits. Oui, ce chocolat, c'est très mal pour eux. Mm. Mais aussi, ce n'est pas bon de donner beaucoup de biscuits aussi. Pas de sucreries. Oui, pas de sucre parce qu'ils sont exactement très animés. De toute façon, toi, tu ne manges pas de sucre. donc, ce n'est pas de problème. Tu n'as pas de sucre dans la maison. Voilà, exactement. D'accord. Et donc, ce petit animal, tu le gardes dans une cage. Exactement, oui. Mais dans la cage, quand même, on a des petits jouets, on peut, comme un tunnel, on peut mm-hmm. se promener. Ça dépend de la cage. Mais s'il est toujours dans une cage, il n'y a pas tellement d'activités. Tu le laisses libre dans la maison? Non. Si je le laisse dans la maison, je vais mettre dans une balle. Ah. Et avec cette balle, on peut promener, mais c'est fermé. Ah. Oui. Donc c'est possible, il peut sortir de la cage. Oui. Il aime quand il sort? Oui, mais pas maintenant. Il ne vit pas sur hamster, mais quand il était vivant. Il toujours se promenait beaucoup. Il aimait cette balle. Ah, d'accord. Et il aime aussi sortir au parc? Non, 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 jamais. Jamais? Non, pas au parc, non. Ça, c'est extérieur. Ah, ils ne vivent pas là? Non, il faudrait que j'aie la balle avec moi. Oui, mais avant qu'il y ait des maisons, ces animaux étaient dans les parcs, dans les bois? Pas dans les parcs, oui. Mais ils étaient en dessous. Oui. Ah, ils aiment aller sous la terre. Oui. Ah, d'accord. Donc ils comme aiment des marmottes. Ah, d'accord. Marmottes, c'est une plus grande famille de hamsters. D'accord. Donc dans sa cage, il y a un petit endroit où il peut se cacher. Non, j'ai une petite maison. Une petite maison, c'est le boîte de tissu. Ah. Kleenex. Et il va dedans. Il va dedans. Oui, salle de dormir. Ah, c'est ça, sa chambre à coucher. Voilà, sa chambre à coucher. D'accord. C'est sympathique, ça. Oui. Et alors, quand tu rentres à la maison, il fait des bruits? Non, parce qu'il dort. Ah, toujours? Pendant la journée, il dort. Ah. C'est le soir. Qu'il se réveille. Ce temps, par exemple,
Je ne dors pas beaucoup, alors les soirées, quand l'extérieur se promène, c'est à ce temps que je le prends et caresser. Ah, il se réveille quand c'est oui, sombre. C'est, oui. Ah. D'abord, il fait sa toilette. D'abord, il se lave, ouais. Tout ça. Et après, il est prêt d'être dans mes mains. Ah, et la nuit, le jour, il dort et la nuit, il est réveillé. Exactement, oui. Ah, d'accord. C'est le contraire. D'accord. Donc, si c'est l'hiver et il est 7 heures de la nuit, il sort et il te voit. Oui. Et le matin, parce que si je me lève tôt, il n'est encore pas dormi encore. Hein. Il sent si je fais des omelettes avec légumes. Il sort de sa petite salle de coucher de voir s'il y a de nourriture. Mmh, et je mets quelque chose et le prends avec lui. C'est mignon, ça. Oui. D'accord. Et dans la journée, si tu travailles, il reste tout seul? Oui, il reste dans sa chambre. Il dort. Il dort toujours. Dans la journée. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter? Non, non. Et c'est dans la cage quand même. Je m'inquiète si c'est sorti de la cage. À ce temps-là, c'est un peu... j'ai peur parce que je... Tu ne laisses pas la cage ouverte? Non, jamais. Jamais. Et pas seulement ça, mais je le ferme avec un petit... Un petit cadenas. Ah, oui, d'accord. D'être sûr que la porte... Parce qu'elle était intelligente, hein, d'être comme ça, se pousse et là-dedans, la porte était ouverte. Et il a sorti. Mais où il va? Dans la maison? Oui, mais à la maison est grande. C'est... One bedroom, c'est impossible de le trouver. Mm. Donc, s'il sort, c'est difficile. Oui, il se cache sous le lit. Si tu appelles son nom, il répond. Non. Non? Non. Mais je fais ça. Et il entend. Et chaque fois que je donne un peu de manger, il sent mes doigts d'abord, avant de donner la nourriture. Ah. Alors, il connaît que c'est sa maman. Et pas autre personne. Ah. Avant de manger, il sent que c'est que mes c'est doigts toi. Et après il mange. Ah d'accord, d'accord. Et c'est mignon ça. C'est pas un brigage qui te donne des poisons ou quelque chose de... Mais est-ce que ces animaux, ils sont sociables? Tu le mets avec un autre hamster? Et non. Ces animaux sont... C'est mieux de vivre seul. Ah bon? Si ils étaient ensemble de oui. la naissance, oui, oui. avec le frère et soeur, ça va. Mais par exemple, tu vois ça au magasin pour vendre ces animaux. Mais le minute qu'ils sont séparés, il ne faut pas jamais être ensemble. On va tuer l'un ou l'autre. Ah bon? Oui. Et la mère aussi, quand on a des bébés, si elle n'a pas assez de nourriture pour elle manger, le mange. Elle mange ses enfants. Ah. C'est horrible. Ils sont comme cannibales. Oui, oui, non, mais les chats font comme ça. Ah, quand oui? ils ont beaucoup de chats. Le mâle, il vient et il les mange tous. Ah, je ne savais pas. Mais comme ça, c'est très... Très petit quand ils sont nés. Alors, la femelle, elle a des petits chats tout petits comme ça. Et le matin, le mâle, il vient et il mange. Oh, oui. C'est... Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est oui. à eux. Oui. Mais si on les sépare du mâle, du père, ils vivent. Ah. C'est pas la oui. mère qui les mange, c'est le c'est père. C'est mieux seul. Par exemple, quand j'avais eu 15 ans, oui. j'avais eu 32 hamsters, cages. 32 cages. Ah oui. Et mon père était vraiment... Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Tu avais plus que un? Ah, non, non, j'avais 60, 70 hamsters. Non. Oui. C'est vrai, alors, pour, vrai 15 ans. Pour vrai? Oui. Oh my God! C'est pas vrai. Alors, ton père, il a dit d'accord? Non, il n'est pas dit d'accord. Il dit seulement à ma mère que j'aime plus les hamsters que lui. Ah. Et ma mère dit, bien sûr, ça, c'est pas vrai. Bien sûr, j'aime mon père. Mais j'ai... Chaque fois que tu sors, tu apportes un nouveau? Oui, mais j'ai arrêté là-bas et peu à peu, j'ai donné à mes amis. Ah. De... Mais c'est les hamsters qui ont fait des enfants ou c'est des hamsters que tu as amenés d'un autre? Non, qui ont fait des enfants. Ah, qui ont fait des enfants et tu les as... Et comme j'ai remarqué, que quand ils les mangent, oui. Parce que les ensemble dans la cage, on va se... S'entretuer. Oui, jusqu'à la fin. Jusqu'à... Oui? Oui. Jusqu'à celui... Une fois, j'ai mis des gants pour les séparer. Mais... Ah, ils sont très... Oui, c'est ça. Entre eux, ils se tuent. C'est affreux.
Pourquoi tu les aimes s'ils sont méchants entre eux? Non, je ne les aime pas quand ils sont comme ça. Ça, c'est l'idée d'avoir toujours un hamster seul. Ah, d'accord, d'accord. D'accord. Et donc, même si tu les vois en train de faire des choses méchantes entre eux, tu les aimes? Non, je les sépare. Tu les sépares. Mais tu aimes quand même l'animal? Oui, bien sûr. Donc, ça suffit. C'est ça, parce oui, qu'il ne peut pas manger quelqu'un d'autre. Oui. D'accord. Elle ne pourrait pas se stresser. Elle, c'est bien, je peux avoir toute mon attention avec un. Donc, pourquoi tu dis qu'il a, celui-là, une mauvaise attitude? Tous les hamsters, ils ont une mauvaise attitude. Ça, c'est pour faire rire. Pour faire rire. Rire. OK. Donc, parce qu'est-ce que exactement, c'est le contraire. Ah bon? C'est si charmant, si mignon. C'est mignon. Et qu'est-ce qu'il fait dans le film? Il mange? Oui, il fait toutes les activités. Tu peux voir à la fin. Ah ouais, ouais. Et les... C'est surtout pour les enfants, non? Non, c'est pour tout le monde. C'est comme un documentaire. Mockumentaire. Oui, avec, parce qu'il y a des paroles sous la... Oui, bien sûr, le hamster parle. Ah, il parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Well, tu peux écouter à la... On va l'écouter à la fin, voilà, de l'interview. Oui, oui. D'accord. Donc, il est mignon et tu dis que c'est une comédie parce que ce que tu as écrit, ça fait rire. Oui. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Et les deux films, Roommates et Pity's Misadventure, sont passés dans les festivals. Oui. Et Roommates était dans quel festival? C'était dans le festival de Honolulu. Ah oui. Et le festival de Houston. Et les gens, ils ont bien rigolé? Oui, bien sûr. D'accord. Et ce film, les gens peuvent l'acheter sur Amazon, non? C'est ça? Non, pas encore. Je n'ai pas mis encore. Je peux le faire. D'accord. Et celui-là, il est déjà sur Amazon? Non, pas encore, parce que maintenant, ça fait le tour des festivals. Ah, d'accord. Quand je fais le tour, je ne peux pas l'avoir En Internet. Vente. Pas encore. D'accord. Et quand il est dans un festival, tu vas? Pardon? Oui, bien sûr. S'il est au festival... Benicia et Berkeley. Film Berkeley, festival. Tu es allée? C'était le novembre passé. Ah, donc ils montrent plusieurs petits films. Voilà, et toi, tu étais un des petits films. Ah, c'est mignon, ça. Les gens... OK, on va parler donc de ce petit Pity's. Donc, Pity's était... Pierre, peut-être, en français. Ah oui, Pierre. Petit Pierre. Petit Pierre. Petit Pierre avait combien? Un pound? Half a pound? Oh, combien? Une livre? Oui, très moins. Moins? Oui. Ils sont petits. Oui, oui, oui. C'est très... C'est la taille de ça? Un peu plus. Un peu plus. Double. Double du micro. Oui. Ah, double que deux la tête... comme ça. De la tête du micro. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, tu les aimes parce qu'ils sont mignons. Exactement, ils sont petits. Et malheureusement, la seule chose que je regrette, par exemple, si tu as un petit lapin, ouais, tu peux avoir chez toi et ça ne bouge pas. Avec les hamsters, on ne peut pas rester là-bas. Toujours, ils bougent. Ils voudraient sortir, ils voudraient marcher. On ne peut pas être calme dans un endroit. Et si je le tiens, immédiatement, il veut sortir. D'accord. Donc, quand il veut sortir, qu'est-ce que tu fais? Tu lui ouvres la porte? Oui, j'ouvre la porte et il vient, mais immédiatement, va sur ma main. Il vient sur ta main? Oui. Et après? Et après, il faut que je le voie, parce que c'est très facile de sauter. Il saute? Oui, oui. Il ne faut pas le laisser s'échapper. Il aime la liberté. Ah oui, d'accord, d'accord. D'accord, c'est mignon, ça. On dirait un tout petit, on dirait un petit poussin, comme un petit... c'est très, très mignon. Comme s'ils étaient un prisonnier, par exemple. OK, donc quand ils jouent avec toi, tu mets la main dessus? Oui, ou Tu lui tiens dans la main? Oui, ou j'ai un endroit protégé. Où il ne saute pas? Oui, oui. Par exemple, si j'ai dans la table, je mets des grandes choses où il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sauter? Ah, c'est mignon, ça. OK. Donc, c'est un pet, on peut dire. Est-ce que beaucoup de gens ont ce genre d'animaux dans la maison? Je crois, je ne sais pas, ça dépend.
Ouais, tu les achètes dans un pet store. Oui, exactement. PetSmart, Petco. Ah, Petco, c'est les vents? Oui. D'accord. Aussi le SPCA. SPCA en a? Oui. Une fois, je rappelle que j'ai acheté un hamster pour $1. Oui. Et 3 ans après, il était un peu malade ici. J'ai donné $100 pour le vendre. Pour le mettre à la vétérinaire, le docteur. C'est pas vrai? Oui. Alors après ça. Il est mort. Oui. Ah, il avait mal à la gorge. Oui, il avait une petite. Comme une boule. Ah, une tumeur. Une tumeur, oui. Oui. Le pauvre. Ah, oui. Ah. Rosette. Et donc, quand ils ne sont pas domestiqués, ils sont dans les bois. Je ne sais pas, pas ici, à Syrie. C'était à Syrie. En Syrie. Oui. On les fait venir de Syrie aux États-Unis? Je crois, mais je ne sais pas comment. Mm. Parce que j'étais à Suisse quand je l'ai vu pour la première fois. Mm. Je ne l'ai pas vu ici aux États-Unis directement, mm-hmm. quand j'étais à New York. Donc, si je vais, par exemple, Muirwood, il y a des hamsters? Non. Non? Non, ce n'est pas comme ça. Et si on va au sud-ouest, on a quelque chose qui est similaire, mais pas exactement. Mm. On l'appelle prairie dogs. Ah, d'accord. Ce n'est pas chien, ce n'est pas rat, mais ça, ça, a l'air ça d'un ressemble petit un peu petit comme chien. Un hamster, un peu plus grand. Ouais. Et eux, ils vivent dans la terre. Ah, d'accord. Comme des petites marmottes. Mm-hmm. Prairie dogs. D'accord. Mais c'est pas, c'est une, c'est différent, une famille différente. Ah, c'est mignon ça. D'accord. Et depuis que tu as quel âge tu aimes les hamsters? Depuis 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans. 40 ans après. Tu les aimes toujours. J'ai 62. Je les adore le même. C'est vrai? C'est bien. Donc, si celui que tu as va mourir, tu achètes un autre. Oui. Ah. C'est ça. Mais comme je suis plus vieille maintenant. C'est difficile de t'occuper d'eux. Je suis occupée et c'est bien pour avoir une compagnie parce que quand une personne est seule, mm-hmm. dans la nuit, mm-hmm. selon la télévision, mm-hmm. ou l'ordinateur, et quelquefois. Il fait un petit je bruit. Je suis au lit, j'écoute. Ah, il fait des. Dit, et je dis, qu'est-ce que c'est? Ah, je rappelle que j'ai un petit animal chez moi. D'accord. Et ça me donne un peu de courage. Un peu de... Oui, bien sûr. Bien sûr. Et tu as déjà eu un chien? Pas exactement. J'avais une chatte. Une chatte, ok. Mais pas pour beaucoup de temps. Oui, c'est un peu plus difficile. Parce oui, que c'est difficile. Ça sent mauvais le chien, aussi. C'est difficile parce qu'il faut que tu marches chaque Il jour. Il faut le marcher. Et je ne peux pas marcher. Je n'ai pas de... Des pieds de marché. Oui, tu as la balance, c'est oui, ça? Oui. Oui. Mais chaque fois, le chat est. Chaque fois, miaou, miaou, miaou. Ah, ils font trop et de encore bruit. Encore une fois, c'est un peu ennuyant. Mm. Mais le hamster. Mais les chats aussi, ils dorment avec toi. Oui. Mais le hamster, je crois. Il ne dort pas à côté de toi. Rien. Quand c'est bébé, il crie un peu. Mais après, pas. Mais si la nuit il veut dormir sous ta couverture à côté de toi, non, jamais. Non, parce que si je dors, ça partit. Et il va se sauver. Oui. Ah. Et ça va mourir parce que il faut que je sois debout de voir le hamster en tombant. Ah, parce que s'il se sauve après, il sait pas trouver sa cage. Non, cage, non, c'est fini. Ah. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux pour lui. C'est pas bien d'avoir un petit quelque chose qu'on a de mettre non. comme un chat. Mais en même temps, il faut faire attention. Ah, c'est difficile. Ils peuvent se sauver et ne pas retourner. Oui. Oh non. C'est pas si domestiqué. Ah. Et qu'est-ce que tu peux les entraîner? Non. Moi, quand ils sont tout petits. Oui. Je fais. Beaucoup de choses. Et chaque hamster que j'ai, oui. je le mets encore plus facile et plus. Et moins timide pour être avec moi chaque fois. Ah. Alors j'ai fait un grand effort de le premier hamster ouais. jusqu'à le hamster que j'ai maintenant. Ah. Et le hamster tu les comprends. Oui. Et chaque fois, je suis un pas plus près. Par exemple, regarde ça. Oui. Ah, c'est mignon ça. Il fait comme ça. Ouais, ça c'est très mignon. Ça c'est Nouli. 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 Le nouveau. Le nouveau. Il fait comme ça. Ah, ils savent dire bonjour?
Ça, c'est rare. C'est rare. Si je le fais. Comme oh, quand... si. Oups, c'est parti. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est... On peut le montrer ou... Oui, bien sûr, vas-y, c'est un selfie, c'est Oups, ça? Tu l'as pris dernièrement? Oui, mais on ne peut pas voir ici. Si, je peux voir la main. Ah, tu veux le mettre de plus près? Ok. C'est difficile quand non, même. Non, ça va, j'ai vu okay. La petite main. Oui. C'est mignon, ça. Exactement. Donc, il te dit bonjour le jour, des fois? Je ne sais pas, mais il a fait comme ça. Ah, alors tu as pris la photo? Oui. Ah, c'est mignon. Et, en général, les rats sont plus intelligents que les hamsters. Ah bon? Les hamsters n'ont pas... beaucoup de cerveau. Oui. Mais quand même, ils sont plus mignons, plus charmants. Et quand on fait quelque chose comme ça... Ils te regardent. Tu es plus surpris et plus... Ah, d'accord. C'est plus proche à ton cœur. Oui, oui, parce qu'ils n'ont pas de cerveau. T'es tout petit. Oui, oui. Tout petit. Et donc, ils vivent, ils mangent, ils dorment, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est tout. C'est tout. Ils n'ont pas besoin d'aller voir d'autres personnes. Non, mais ils aiment découvrir des choses. Ah, de temps en temps, tu lui mets un petit jouet. Oui, exactement. Une petite balle ou... Pour être son... Actif. Un peu plus intéressé, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu lui mets? Des petits bouts de feuilles ou des petites plantes, c'est ça? Est-ce qu'ils aiment les fourmis ou les insectes? Non. Non. Non, c'est... Ils n'aiment pas parce que c'est... Même s'ils sont petits, ils n'aiment pas. Non, 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 parce qu'ils sont... Ah, ils n'aiment pas. Mmh. Donc, ils n'aiment personne. Ils aiment les personnes, les humains. Ah, ils aiment les humains. Et à cause de ça, quand ils dorment, je mets un petit... Comme la voile, on dit la voile, sur la cage, que les moustiques n'arrivent pas. Ah. Ils sont dehors la cage. D'accord. Ils ne taquinent pas le petit hamster. Ah, d'accord, d'accord. Donc, ils n'aiment pas les moustiques non plus. OK. Non. OK. Et ils ont l'air agiles. Les yeux oui, ils bougent toujours, vite. Ils voudraient découvrir des choses. Ils aiment regarder. Donc, tu laisses toujours les... Ça dépend. On a hamster avec des yeux noirs. On a des hamsters avec des yeux roses. C'est vrai? Quand le lapin sont blancs, ouais. Avec des yeux roses. Ah oui? J'avais des hamsters comme ça aussi. Ah bon? Et on a d'autres hamsters qui sont très, très petits, plus petits que ça. Mm. C'est pas plus grand que ah, ça. Ça existe, oui? Oui, ça existe. Ce sont des hamsters de Sibérie, de Russie. Ils sont très, très petits. Et les gens, qu'est-ce qu'ils et font? Ils sont et comme Speedy gens... Gonzales. Ah. Ils vont très, très vite. Les gens, ils les tuent? Non, je crois pas. On les laisse? Non, non, c'est hamster. Ils même. Sont dans les bois. Mais on a aussi le guinea pig. Mm. Ça, c'est encore plus grand. Ça, c'est la taille d'un lapin. Mm. Et j'ai vu même avec des guinea pigs, on peut faire leurs chevaux. C'est vrai? Comme, oui. comme on dit, la hair dryer. Oui. Oui. Les guinea pigs sont plus grands. Ils sont un peu plus grands, les guinea pigs. Ils sont comme ça, les guinea pigs. Un peu plus grands. Oui, ouais. Comme lapin. Ils s'accordent avec eux? Non. Oui. Un petit peu. Oui. C'est pas la même famille. Pas exactement, parce que c'est plus petit, l'autre c'est plus grand. Uh-huh. Mais, oui. Est-ce que les scientifiques font des expériments sur eux? Les hamsters, non, des souris. Oui, ils font sur les souris, mais oui. Ils font pas sur les hamsters. Je sais pas. J'espère non, parce que c'est cruel, c'est triste oui. De savoir que on fait des expérimentations. Sur voilà, ils utilisent des petits animaux, les frogs et les souris. Oui, les grenouilles. Et les grenouilles, oui. Oui, donc toi, tu as une affinité pour cet animal. Ah oui, oui. C'est pratique, c'est petit, c'est charmant. Tu n'as pas de grandes choses chaque semaine. Tu laves la cave. Une fois par semaine, une fois par semaine. Des papiers, ouais. Pas de problème. Mais quand tu rentres à la maison, il se réveille? Non. Non, non. Il dort. Il dort. Le soir, c'est... Par exemple, le mien se réveille à peu près à 10 heures le soir. Ah. Et il se va coucher le matin à 7 heures le matin. Ah. Il dort. Donc à 10 heures le soir, si tu es réveillé... Dis, il fait sa toilette. Mm-hmm. Et après, il est prêt de voir qu'est-ce qu'il y a dans la cage. Tu allumes la lumière? Non. Ah, tu laisses la lumière sombre. Oui, oui. Ah. Il aime sortir. Je crois que
on ne peut pas voir beaucoup. Parce que là, il est dans la lumière. Oui, j'ai fait une photo. Ah, d'accord. Donc, tu l'as réveillé. Directement, le soleil, ce n'est pas bien pour eux. Mais tu l'as réveillé. Oui, bien sûr. Mais quand il fait faire un film, il faut être debout et réveillé pour faire le film. Ah, d'accord. Mais en général, le jour, ils ne sont pas réveillés. Oui. Ah, d'accord. Ça, c'est bon à savoir. Donc, juste pour les petites minutes que tu as filmées, ouais, tu l'as réveillé. Bien sûr. Ah, oui. D'accord. Ça, c'est mignon. Peut-être que les gens pensent qu'il est réveillé dans la journée, c'est ça? Oh, non. Mais voilà, c'est show business. Oui, d'accord. Donc, oui, peut-être que quelqu'un aura l'idée de faire un plus grand film sur les hamsters, parce que c'est un animal mignon, ouais. Oui. Donc, roommates, si tu veux qu'on en parle un petit peu. Oui. C'était des situations de... Oui, c'est très difficile de trouver... Des situations de roommates. Oui, qui vivent avec toi, partagent un appartement. Le problème, c'est que les loyers de San Francisco sont très chers. Et donc, surtout ces victoriennes maisons. Oui. Et souvent, nous avons des camarades de chambre que nous disons qu'on vive ensemble pour partager le loyer. Ouais, des colocataires. Mais et j'ai donc... discuté avec mon hamster parce qu'il était avec moi. Et chaque fois, j'ai fait beaucoup d'interviews de différentes personnes. Un, c'était très... Il était un peu ivrogne. L'autre, c'était trop fort. Il bavardait très... Et le hamster... L'autre était très calme. Je ne sais pas. J'ai dit seulement de filles, il venait garçon. J'étais garçon, il venait fille. Je ne dis pas des animaux, il venait avec les animaux. Pas de fumeur, il venait avec les cigarettes. Mais le hamster, ils aiment le roommate? Non, c'est mon hamster. Je ne le laisse pas avec les autres. Ah, d'accord. Il y a la possibilité que le hamster va se mordre. Mordre. Alors, je ne veux d'accord. pas avoir donc, de problème. Donc, quand le roommate y rentre, est-ce que le hamster il se réveille? Non. Il dort toujours. Ça, c'est pas... Mais comme on dit ici, c'est que j'ai discuté avec mon hamster. On va choisir qui. Tu consultes le hamster. Voilà, oui. Et c'est juste pour faire rire. Exactement, oui. D'accord. Et quels sont les différents types de roommates que tu as interviewés dans le film? Ça, c'est une chaîne de beaucoup de... Plusieurs. Roommates, oui. Combien tu en as interviewé? 15. Alors, certains types, c'est ça? Voilà, ça dépend. Non, mais pour le film, tu as fait des types de roommates. Oui, type de pas roommates. Des vrais roommates. Et une, par exemple, elle était trop snob parce qu'elle elle a découvert poussière. Ah, on ne sait pas, jamais. Donc, tu ne la veux pas? Non. Et après, quoi? Ça dépend, je ne rappelle pas les détails. Mais... Oui, et l'autre, il faisait trop de bruit, il est musicien, oui, c'est ça? Oui, il était musicien. Ok, je me rappelle un petit peu. Et puis, l'autre, il est venu avec un animal. Non, avec un chien. Avec un chien, oui. Tu ne veux pas des chiens? Oui, ce n'est pas moi, c'est le propriétaire qui ne veut pas des animaux. Donc, avant de trouver un bon roommate, c'est difficile. Finalement, oui, et le film dit que je n'ai pas trouvé, je ne vais pas faire la décision. Alors, j'ai décidé de moi partir. Ah, de partir de l'appartement. Oui, mais c'était intriguant parce que c'était une voisine qui voudrait mon appartement. Alors, la minute que je suis partie, elle est venue avec son fiancé. Ah, elle a pris l'appartement. Voilà. Et maintenant, tu n'as pas besoin de roommate. Non, parce que je vis dans un autre endroit. Ah, c'est super. D'accord, donc tu as résolu ton problème. Oui. D'accord. Donc, celui-là, il a eu beaucoup de succès, je crois, non? Oui, ça a pris le meilleur documentaire. Oui. Ça a pris le Platinum. Ah oui? À Houston Film Festival. Et c'était dans beaucoup de film festivals. Ça, c'est encore nouveau. Ah! Tu as encore des mains de bébé, hein? Tu n'as pas une main d'adulte. C'est comme les mains de bébé? Qui, moi? Oui, toi. Ah! Tu as des mains très potelées, oui. Potelées comme les bébés. Ah, je crois. Oui. Voilà, donc, mais voilà. Tes mains, ils sont dans le film, c'est ça? Oui, ça, c'est oui. C'est ta main. C'est le couvert. D'accord. Et ici, c'est ici. C'est le petit hamster, là, oui. Et finalement, tu n'as pris aucun roommate. Aucun. D'accord. Ça, c'est l'histoire de ce...
Et tout le monde à San Francisco a des roommates, c'est ça? Oui, parce que les loyers sont très chers. Et tout le monde, s'ils ne sont pas un couple normal, qu'ils ont des familles, des enfants, toutes les autres personnes ont des roommates. Oui, c'est vrai ça. Je sais que ça ne fait pas partie de tes films, donc il n'y a pas de solution pour ça à San Francisco, malheureusement. Oui. Okay, so we're gonna do a little bit more English because we did the good part. So let's talk about roommates in English. Okay. So roommates was a comedy. Yes, you can read this one if you like, or no. So the whole documentary was about interviewing different roommates. It's a documentary coming from. I wrote it down thinking of my own memories of having roommates. That's why I stretched a little bit the truth. Yeah, but to it was, make people laugh. Exactly. But it's true story. Just I had very difficult people to interview. And, you know, you make one announcement and totally different things come. I ask for non-smokers and they smokers. Show up with a smoker. Yes. The one guy was totally drunk. He wanted to use the bathroom. Oh. So you just never know who's going to come and who's not going to come. You ask for one person, and they come with a couple. Yes. As a couple or a family. It's only for one person. Yes. As a matter of fact, I'll never forget it, but back with the Chronicle, San Francisco, I had a crew of people, and the crew people were also inquiring, is this room really free? Mm. the other room. I was always showing the empty room, but the crew people of my film were also asking to see if that room was free for rent. Oh. And I was written up by the newspaper as well. After the film? Yes. Oh, because it's typical of people looking for roommates. Yes, exactly. What kind of funny situation. So the people who show up with the couple. Exactly. The people who show up with the whole family. Yes. And the people. And then, you know, I asked for non-smoker, non-drinkers. Yes, or I asked, one person was almost like a, kind of like a prostitute. I said, I'm sorry, I can't have you here. Oh, yeah, yes. She shows up like with her breasts all over the place. I said, I cannot have that. Yeah, like makeup and stuff. Exactly. Yeah, that's a very common situation. Or somebody who's too fussy, or someone who's too stingy. Oh. There's a scene. That's my own favorite scene. And this is a true story. Oh, okay. I asked my roommate, I told him, it's your turn to buy soap. Oh, and they don't want to. And they said, why? I don't use soap. And I go, so then I said, well, how do you wash yourself? Oh, I just scrub. So you gave him a bar soap? No, I just scrub. I didn't give him anything. But I cannot believe that he did not want to buy soap. It was his turn. Because he just scrubs himself. He doesn't use soap. Oh, actually, I spoke to someone and he said he just used water. Oh, my God, that's even worse. No, he told me it's not healthy to use soap because it's full of chemicals and stuff. You have the Tom or whatever the... What's that? Because in the old days, there was no soap and people still survived. The guy was too stingy to buy soap, period. Okay. No, but soap helped you also eliminate odors, right? Exactly. I'm easygoing. Yeah. But when I did not want females because they would steal my things. Oh, they did. They would borrow them, lose them, or break them. Makeup. So then and I stuff. Decided, that's it, I'm going to have male roommates. Okay. And I was better with that. Yeah, because they respect you better. Exactly. Too. So they won't steal your makeup because they don't wear makeup. They won't steal your towel or whatever. Exactly. So, and they're more respectful. True. Yeah. So you finally found one? Oh. Was there an ideal roommate you found? Well, yes. Afterwards, I finally found one. And then they would stay like 4 years until they would get married. Ah. And then another 4 years, somebody else got married. Oh, so that's a long time, 4 years. Yeah. Oh, it's like almost like a husband, right? Not me, married to their whatever. I know, but yeah. 4 years is a long time. Exactly, to yes. To share an apartment and with. And I'm glad. Oh, that's good. So anyway, and you got along perfect. Yes. That's good that you found the perfect balance. Exactly. All right. So anyway, Christabel, I really enjoy what you produce. I hope you'll keep producing because you seem to
to look at the funny and comical side of life. The comical side of life. Yes, because I think like when you give laughter to somebody, it always it costs you nothing, and it's the a humor. Person who receives it, you know, is full of joy. That's and right. My father was a comedian, and I want to really follow his steps. Oh. And my mother, she always smiled every time. Yeah, your mother was so easygoing. Yes. She never really in their memory, criticized. I like to continue the same thing. Yeah. Because it's I just love to. And you also smile a lot, yes, right? Yes, and entertain. Isn't it from your country that people are pretty cheerful? Well, I'm from New York City. Oh, I thought you were from Greece. My parents. Oh, your parents. Yeah. But in New York City, they're more serious. We're more direct. Ah, direct. But if you're going to stab somebody, we stab you in front. Okay. See, California stab you from the back. Really? Where you don't see anything. Oh, you mean they say bad things about you behind yeah. your back? Yes. We're New Yorkers, you're straightforward. You know what you're dealing with. Hmm. But I have the... I'm happy to say that I have the best of both worlds. Oh, that's right. So I'm half European in California. And half American. Yeah, yeah. Just maybe a discreet question. Do you finance your own film? Yes. Ah, unfortunately, okay. My poor little credit cards. you max them out. Do you buy your own camera, your own lighting, your own... Yes. You know what? And unfortunately, this happened 2 times so far. Yeah. I loaned my cameras out and they broke them. They don't never bring it back. Them. So after that, I said, that's it. I just tell people, just bring your camera, do the thing, and that's it. Okay. Or rent them or something like that. I'm tired of, you know... But lending. You do have your own camera. Not anymore. Ah, okay. So now if you want to film a little hamster, what do you do? I have to rent a camera. For a day yes. or two? Because I did another film before this. I did Deja Vu with my parents. Oh. In their memory. Oh. And I hired a camera guy. And he brought his person. Own camera? I hired everybody on their own. Oh, Deja Vu was another film? Yes. Ah, about your... It was a my biography? Parents, in memory of my parents. But I said Deja Vu, and everybody thought that I made a mistake because it's Deja Vu. Ah. I said, no, it's Vu for two people. Ah, okay, okay. It's how my mother and father met before they really met. Okay, so it was with actors? Yes, of course. I had a mockumentary again, documentary. Yeah, but your mom was no, still alive. No, the story, it was a true story. Okay. So, but your mom was still alive when you did the film? Yes. No. She passed away. Oh, okay. So you did it after? Yes. Oh, so it was a memory? No, but she knew the story and, you know. Oh, how they met and she would told you. Would you like to know what it was? Sure. Okay. Well, when my mother was 6 years old. Yeah. She was walking with her mother in Greece. Mm-hmm. Yeah. With her hand. Yeah. And all of a sudden she left her mother's hand. And ran in the streets, and a car comes over and knocks her down 20 feet. No. So right there, then, there was a Navy person, very tall and big stride, and saw this poor little girl and jumps and to her rescue her. And picks her up. And right across the street was the first aid. Oh. Right across the street in Athens, Greece. So he took her so there. So he took her there, and when he saw that she was well settled with the doctors, he left. Okay. Fast forward 23 yeah. years. Yeah. 23 or 33 years. Let me see. 21, 31, 41. Yeah, 33 years. So she was 6 years old. 6 years old. When they met. Yes. No. Oh, that's not no, them. No, that's the... Okay. So my mother is pregnant with me in New York City. And 32 years, fast forward. Mm. And they're discussing with me. My father notices... a mark on her left eyebrow and her left knee, scars. Mm-hmm. And that was from the accident. It was the wheel of the car. Okay. So that was your mom? Yes. Okay. He noticed these scars on my mom's eyebrow and knee. Okay. So he said, where is this from? Mm-hmm. So my mom says, well, when she was young, she was saved by this Navy person mm-hmm. who apparently moved right away and she's not paralyzed or... She was saved. He took her right away. Yes. Okay. And he said, when and where did this happen? And she said, oh, in May, in such a street, in Athens, Greece, in 1921. Mm-hmm. And my father turned white. It was my father who saved my mother. He didn't know that? No, nobody knew that. Oh, my God. And all of a sudden, he remembered. He remembered that it was him who saved a little 6-year-old. And that was my mom. Mm.
And because my parents are 21 years apart. Oh my God. Yes. So he was 27. Mm-hmm. My mother was 6. Years later, father went from Greece to the States. Mm-hmm. My mother went from Greece to France to the States. I see. Yes. And they met through a common friend, through correspondence. In New York. They never knew anything. They didn't remember the story. They did nothing. Only when she was pregnant with me. That he noticed. That came up. Oh, that's such a story. Yes. Oh, my God. And I like to make it a film, but I need funding. So how maybe long you was can help that me film? With kicks. Oh, Deja Vu film. Deja oh, Vu. It's not done yet. No, I did the short film. Oh. I need how long the funding was the short to make film? It a feature. How long was the short film? The short film was 7 minutes. Oh, you want to make it like an hour? No, 2 hours, a feature. 2 hours. Or an hour and a half. So you have a lot of little story in between? Oh, yes, but I need money. Oh. So, and I don't can know how you to make do it fundraising. Can you make it with the regular camera? Well, no, I will need the professional crew and everything. I cannot do it anymore. I cannot afford to do it myself. No, but what if you do it just with the digital camera? Well, no, I need a professional. I need oh, to make it a real professional real, film. Oh, you want a real yes. thing. Oh, then yes, you need Kickstarter to, or whatever. Oh, you want to do a real thing. Yes, oh, but so it's hard. Yeah. So it's waiting. Oh, so you're doing fundraising Indiegogo. I don't know how to do fundraising, so I have to find out. Indiegogo.com. What is it? Indigo? Indiegogo is for film. Indiegogo. I don't know how to do these things. I need you someone put a to be in trailer, my team. You put a little trailer and you ask people. Maybe you can help me do it. Yeah, I can show you how to use Indiegogo and Kickstarter. That's no big deal. You just... Yeah, but it's trying to get everything and I need more people than just one person. Oh, yeah, and yeah. You need to blast your... Exactly. Your offer to all your friends and family and beyond and producers. Which I don't know how to do things like that, so. No, I mean, it's nobody dormant. Knows. Everybody does whatever they can with whatever contacts they have, you know. It's not like. Sure. You can also hire a company to market the project. And before you even look for a company, about 4 or 5 companies will approach you and say, do you want us to help you raise the money? It depends how much money, of course. But yeah. Anyway, that's another story. But anyway, it's good that you at least, produce those short films. Oh, yes. So you did 3 short films. I've done 5 total. Oh, really? So you've been producing quite a while then? To keep busy. When I used to take care of my mom, I would make short films at the same time. Okay, and now it's your full-time occupation. Well, right now I'm working on an animation right now, one of my mother's stories. Oh, yeah. That's even more difficult and more expensive. Oh, so you have your mother's book and you give them to an animator? Yes, I tell them what I want in the animation. The characters, yes. Because they have animation classes here, you can ask the students. Oh, I have no time for animation classes. I need to launch it right away. Oh. I'm getting older. Oh, you so I need to start doing things. Oh, so you want 20. Someone who know what they are doing then? Yes, exactly. Okay, how long are those little well, stories? Well, it depends. Right now I'm doing just a trailer. Ah. A trailer of 1.5 minutes, and that costs quite a bit of money. Oh, yeah. Animation is very expensive. $5.5 grand for 1.5 minutes. Oh, my God. It's a teaser trailer to see who's going to fund it. Like it, yeah. Oh, okay. Once you have the trailer, you post it on Indiegogo, and then you ask for more money. Okay. That's the way it works. But you need a computer to do it. So you went through a lot of adventure in your life. Yep. So I'm glad that you keep a smile on your face because smile fits you real good. Thank you. You're well, my moon is in Leo. No, I mean, it's good to smile because it makes you cheerful. Yeah. And so what? It happens to everybody, right? Que sera, sera. Yeah. So, Christabel, it has been such a pleasure to see you again. I'm glad I ran into you and you gave me your card because I have so many cards sometimes. If I have a car 10 years, it gets shuffled. But we still live in the same city. So we bump into each other. Yeah, in the same lift. And the same lift, exactly. Because I was complaining to that driver. I say, you get out of my way to go pick up someone else. He said, oh, I had a long day, lady. Don't complain. So, oh, no, because you also pay cheaper. When you have people. A line, I know. But I was complaining because instead of going toward my house, he took a turn on Venice. So I was complaining and he said, don't complain because I had a hard day. And then when I saw you, I said, oh, maybe it was Providence, you know, that
it happened. Yeah. So I'm glad it did happen because I got to meet you again. Yeah. And I'm happy that you look great today. You're Thank smiling. You. You get the colors. And I hope your health gets better and you keep enjoying life and producing more movies. So thank you so much for being here. Thank you.